Ce que je vais faire, c'est que lorsque je m'adresserai à Ben Stewart, avatar de l'humanité, je regarderai Ben Stewart. Et lorsque je ressentirai une connexion directe avec une autre présence, je regarderai la caméra. Voilà. On n'a pas souvent la chance de découvrir quelqu'un qui éclaire vraiment le fond du problème, donnant l'impression qu'il y a peut-être une réponse simple au problème complexe de l'existence humaine. Ce que vous allez entendre, c'est une conversation au petit matin avec Charles Eisenstein sur le don que représente la vie et sur l'artiste qui sommeille en chacun de nous. Alors asseyez-vous, détendez-vous, apaisez votre esprit, ouvrez votre cœur et écoutez attentivement. Commençons par quelques mots sur ce qui m'a conduit ici. Ce n'est pas un parcours qui me rend unique. Vous reconnaîtrez sans doute des choses qui vous sont familières. Tout a commencé par une intuition. Que ce qu'on me présentait comme normal, la vie, la réalité qu'on me proposait, sonnait faux. Le sentiment d'un monde détraqué et donc une hésitation, une réticence à y participer pleinement. Cette réticence peut s'exprimer de différentes façons chez les gens. Certains s'emportent et ont des comportements agressifs. D'autres deviennent dépressifs et se replient sur eux-mêmes. D'autres se sabordent ou s'abandonnent à la paresse, à la procrastination, se saoulent, se défoncent. En fait, ce sont différentes façons de détourner une partie de leur énergie vitale plutôt que de la consacrer au programme. En fait, mon parcours était une quête partant d'une question. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je l'impression d'y être un étranger? Alors que la vie est un tel cadeau, pourquoi j'hésite à saisir pleinement ce cadeau? Et cela m'a conduit à découvrir ce que je pense être les fondements de notre civilisation. La réponse à cette question amène si loin qu'elle touche à l'essentiel. Je ne veux pas être une sorte de rabat-joie, mais au fond, tout va de travers. La façon dont les choses se passent dans notre société, depuis la naissance littéralement, avec l'accouchement à l'hôpital, etc., jusqu'à la mort, notre rapport à la mort et la façon dont nous mourons dans cette société. Tout va de travers. L'éducation, la médecine, l'argent, l'économie, la politique, la technologie, tout ce qui concerne notre mode de vie. Plus tard, j'ai réalisé que le problème n'était pas que tout allait de travers, mais plutôt qu'on avait atteint un état d'être, à la fois collectif et individuel, prêt à aborder la transition vers une autre phase. Quelle est cette nouvelle phase? Qui sommes-nous et qu'est-ce que le monde? Quels nouveaux récits peuvent émerger pour expliquer qui nous sommes? Qu'est-ce que la vie et comment la vivre? D'où venons-nous et où allons-nous et quelle est notre raison d'être? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Quel est le nouveau récit qui peut donner un sens à un monde qui se désintègre dans l'absurdité au moment même où nous parlons? Voilà, c'est ça le cadre de ma réflexion. J'aime bien employer le terme ancien mythe, le mythe de la séparation. Le mythe qui raconte que chacun d'entre vous est un individu séparé, un ego enrobé de peau, une âme enfermée dans de la chair.
dans un monde où tout est autre. Selon ce récit, votre but est de vous faire une place dans ce monde, de survivre, de vous reproduire, de maximiser votre intérêt personnel, lutter contre tous les autres individus séparés qui essayent de faire la même chose, les surpasser, établir votre domination et vous protéger des forces de la nature qui sont hostiles ou, au mieux, indifférentes. Et de prendre au passage tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie. Parce que, après tout, pourquoi pas ? Le récit que j'ai intégré dans ma façon d'être, et je ne peux pas dire que j'en suis un exemple particulièrement impressionnant, mais bon, c'est mon parcours. Et je suis sûre que ça parlera à beaucoup de gens. C'est de comprendre que mon but ici-bas, en fait, n'est pas de maximiser ma sécurité, mon confort, ma richesse ou mon intérêt personnel. Mon but est la raison pour laquelle je suis sur Terre et dans ce cosmos est que je suis porteur de dons que j'aspire à exprimer, à offrir au monde, comme d'ailleurs toutes les espèces, tous les êtres. Dans aucun écosystème, il n'y a d'espèces qui se contentent d'accaparer et de dégrader l'écosystème. Au contraire, chaque espèce contribue à maintenir le collectif vivant. Chacune contribue au déploiement de la vie et de la beauté, et nous sommes pareils. Même si en tant qu'espèce, je dois dire qu'on ne donne pas cette impression actuellement, que nous sommes un cadeau pour la vie et la beauté sur Terre. Mais cela arrive lorsqu'une espèce atteint la maturité. La transition que nous vivons actuellement est liée au stade de maturité de l'espèce humaine. Ça vaut aussi au niveau individuel. Voilà pourquoi, même si vous gagnez, mettons, $1 million, mais que vous ne les utilisez pas pour rendre le monde plus vivant et plus beau, vous penserez « Je ne suis pas venu sur Terre pour ça ». Vous penserez « Quand est-ce que je pourrais vivre ma vie ?» et non celle qu'on me paye pour vivre. Voici l'orientation que je vous propose de suivre. Considérez-vous comme un don. Car cette orientation devient une inspiration. C'est sur ça que je travaille. Dans chaque situation, se demander « qu'est-ce que moi je peux faire ? Qu'est-ce que moi je peux donner ?» Ça ne veut pas forcément dire de se sacrifier. Cela implique de reconnaître la générosité du monde, qui fait que je reçois tous les dons qui me permettent ensuite de les partager. Mais c'est une orientation du don qui me permet de me voir comme un agent du mouvement continu vers la vie et la beauté du monde. Si l'on prend l'histoire de la Terre, c'est celle d'un monde qui devient de plus en plus vivant. Il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas de vie sur Terre. Puis il y a eu les bactéries. Elles sont devenues de plus en plus complexes et interconnectées. Puis sont apparus les organismes multicellulaires. Alors les plantes sont arrivées et ont colonisé les sols qui étaient sans vie jusqu'à il y a un demi-milliard d'années. Les plantes, les insectes sont apparus et la Terre a foisonné de vie elle aussi. Puis les plantes à fleurs sont apparues et l'ont rendue encore plus belle et plus vivante. Enfin, nous avons été créés en tant qu'espèce pour la même raison. Il faut se relier à ce récit qui éclaire à quoi sert l'humanité, plutôt qu'au vieux mythe selon lequel nous sommes ici pour transcender la nature, pour la conquérir. Ce n'est pas la raison de notre présence. Lorsque nous sommes en phase avec le récit qui explique que nous sommes ici pour contribuer à la vie dans le cosmos, alors la vie a un sens et vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous savez comment vous orienter, comment aborder la vie. Il y a une étoile polaire qui montre le chemin. C'est une des manières dont le récit nous indique comment vivre. Il explique qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici.
Et j'ajouterai que ce n'est pas qu'un récit. Que cette histoire fait partie d'un état d'être plus vaste. D'un côté, il y a la séparation, la compétition, la conquête, la domination. Ce n'est pas juste un concept intellectuel, c'est un état d'être. Et quand vous êtes dans cet état d'être, l'idéologie de cet état semble être naturelle. Oui, bien sûr, le monde est comme ça. Bien sûr, c'est nous contre eux. Bien sûr, c'est moi contre toi. Mon fils, il faut y aller et ne laisse personne profiter de toi. Et débrouille-toi comme tu peux. Ça semble être naturel. Quand on est dans cet état d'être, que la civilisation impose depuis des siècles. Pourtant, il est en train de devenir obsolète. Notre conscience, notre être, est en train de dépasser ça. Mais nous sommes toujours coincés dans les systèmes qui se sont construits autour de la séparation. Quiconque a déjà été dans une situation ne faisant pas appel à ses dons ou n'ayant pas valorisé ses dons, se sent confiné. On se sent peut-être résigné, peut-être cynique. Beaucoup de gens sont devenus cyniques de nos jours. Le cynisme est une façon de se mettre en retrait du monde. Les adolescents en particulier le savent. Ils sont pleins d'idéalisme. Ils ne se soumettront jamais. Ils veulent accomplir quelque chose de magnifique dans le monde. Ils sont pleins d'espoir quant à leur devenir. Alors, que se passe-t-il ? Des forces puissantes se coordonnent pour écraser cette compréhension innée. Une programmation intense qui commence dès l'enfance. Alors, ce qui est nécessaire, c'est une guérison à tous les niveaux. La déprogrammation de l'autoconquête, de cette insulte faite à notre nature divine, qui nous inculque que nous sommes autre chose qu'un cadeau fait au monde. Cette fausse idée s'accompagne souvent d'un traumatisme, et même presque toujours. Parfois, c'est un traumatisme explicite, évident et visible, comme les sévices, l'abandon, la violence. Mais cela peut aussi être un traumatisme normalisé, comme celui d'être lâché dans une salle de classe où on ne connaît personne et où on est confiné à l'intérieur, alors qu'il fait beau et qu'on est censé explorer le royaume de l'enfance. Il peut s'agir d'un traumatisme normalisé lié à la rupture répétée des relations. Lorsqu'on essaye de créer des liens et qu'on est transféré d'une garderie à l'autre, puis d'une classe à l'autre, ensuite vos amis déménagent, vous déménagez. Et les liens qui sont censés contribuer à votre épanouissement ne se forment jamais. Ils sont brisés encore et encore, jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Et on finit par se dire, « Eh bien, je ne vais pas créer de lien. En fait, je suis seul. » On constate que chaque aspect du mode de vie de l'homme moderne contribue à la destruction de notre connaissance innée de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Donc c'est une question de guérison, et je dirais à cet instant de votre volonté de guérir. Parce que la guérison est accessible. Si vous trouvez la part en vous qui est prête, et qui demande à voix basse, depuis longtemps, de guérir. Et que vous donnez à cette petite partie de vous-même toute votre attention. Et que vous l'accueillez pleinement, comme si vous portiez un enfant, un bébé. Cela suffira pour qu'un processus s'enclenche.
parce que vous validez cette partie de vous-même. Vous lui dites oui, tu es sacré, je te considère comme sacré. Cela ouvre la porte au miracle. Affirmons que chacun de nous est un artiste, au service de la vie et de la beauté sur Terre. C'est ce que fait un artiste. Quand on vit ces moments où on est un véritable artiste, on sait qu'ils sont plus sacrés que tout le reste. C'est un état de dévotion. Alors que si la priorité est de gagner de l'argent, de plaire aux clients, aux critiques d'art ou autres, alors on n'est plus un artiste. C'est ce qu'on appelle se trahir. L'artiste met plus de beauté dans les choses qu'il ne serait nécessaire du fait de raisons externes, parce que l'artiste est au service de ce qui veut naître. C'est un état de dévotion qui fait que, quelle que soit la matière première dont je dispose, pas seulement les matériaux physiques, mais toute la situation de ma vie, je vais créer autant de bien et de beauté qu'il m'est possible. C'est comme si on se dit, face à un mur d'escalade, « Oula, je ne vais pas pouvoir grimper très vite à cause de toutes ces difficultés. » Mais en fait, l'art a besoin de limites. Par exemple, quand on écrit un sonnet, on ne va pas dire « Je ne peux pas vraiment faire un travail de qualité parce que ce vers doit rimer avec cet autre vers. » Mais non, on prend cette structure et on maximise tout le potentiel qui s'y trouve. On peut apporter de la beauté à chaque coin du monde. Et nous devons avoir confiance que nous sommes placés parfaitement à l'endroit précis du monde qui requiert la combinaison unique des dons qui sont les nôtres. C'est une autre façon de dire que nous sommes un cadeau. Nous sommes nous-mêmes des instruments artistiques créé par un artiste divin. Et pour participer à ce processus de création, il faut simplement nous orienter en cherchant ce que nous pouvons faire dans cette situation qui nous soit propre. Comment puis-je exprimer mon dévouement à l'amour, à la beauté, dans cette situation particulière, sachant que chaque situation est un entraînement pour chaque autre situation. Cela contribue à créer à un état d'être. Ça peut être des choses aussi simples que la façon dont on fait la vaisselle, dont on fait son lit, dont on parle à son enfant. Même dans les moments qui semblent vous détourner de votre mission. Par exemple, on peut se dire « Me voilà coincé toute la journée avec mon gamin de 2 ans, alors que je pourrais être dehors à faire des choses importantes dans le monde. » Non, en fait, votre façon d'être avec votre enfant de 2 ans constitue une base pour la façon dont vous ferez tout le reste. En d'autres termes, c'est une façon de déclarer « voici qui je suis, voici comment je vais le faire ». Chaque acte est une prière. Notre fonction en tant qu'artiste, c'est de nous demander comment améliorer ceci? Comment puis-je en tirer de la beauté? Cette manifestation de qui nous sommes grandit pour remplir chaque espace de notre vie. On pourrait craindre que ce soit un standard impossible à atteindre. Être dans un état de dévotion 24 heures sur 24, dans chaque aspect de ma vie. En fait, ce qui se passe lorsqu'on se dit cela, on réalise que quelque chose est accessible, qu'une partie de votre vie vous permet d'entrer plus profondément dans la dévotion. Et vous ne l'avez pas fait, mais vous êtes prêt à le faire. Et c'est là, juste devant vous. C'est la prochaine étape. C'est l'étape qui est là,
que vous êtes maintenant prêt à franchir. Lorsqu'on franchit ce pas, lorsqu'on s'engage dans la dévotion, dans cet aspect de votre vie, et ça peut être quelque chose de personnel, mais ça peut aussi être dans le monde. Par exemple, un rôle à jouer dans le débat public, en politique, mais ça peut être aussi quelque chose de très personnel. Quoi qu'il en soit, vous le reconnaîtrez. C'est donc une même approche qui consolide notre foyer et notre vie relationnelle et qui fait de nous des acteurs courageux au sein de la société. C'est la même chose. Et je ne sais pas laquelle c'est, pour vous, ou pour vous, ou pour vous. Tout ce que je sais, c'est que vous la reconnaîtrez. Ce ne sera peut-être pas confortable, mais vous la reconnaîtrez. Ces schémas sont en grande partie inconscients, et ils sont si profonds, si discrets, qu'ils ne seront pas révélés dans leur totalité, et vous pourriez les rejeter. En fait, chaque pas que vous ferez vous amènera naturellement vers la dévotion et vers le service. Cela aura deux effets. D'une part, cela vous procurera un niveau de joie, de stabilité et de satisfaction que vous n'aviez jamais connu auparavant, sauf lors de brefs instants. Car on peut percevoir cet état grâce à toutes sortes d'expériences, mais on ne peut pas y rester sans pratique. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin parce que vous recevrez des bienfaits. Plus de facilité et de joie, de connexion, de plénitude, de satisfaction dans votre vie. Et vous l'aurez peut-être déjà entreaperçu auparavant, mais maintenant c'est réel. La deuxième chose qui va arriver, c'est que cela va révéler encore plus, des choses que vous n'aviez même pas imaginées avant. Donc, cette programmation insidieuse, elle se découvre comme lorsqu'on épluche un oignon. Vous épluchez une couche, puis on découvre la couche suivante, puis la suivante, et la tendance générale sera vers plus de joie et d'épanouissement. Mais il peut aussi y avoir, et il y aura, des nuits sombres de l'âme, qui sont des exceptions à cette tendance. Parce que parfois, il peut être vraiment pénible de regarder la nouvelle étape qui se présente et de constater l'ampleur de votre égarement, de votre illusion. Vous pensiez aider dans le monde, être au service des autres, mais en fait, pendant tout ce temps, vous cherchiez juste l'approbation de papa. Vous essayez juste de faire bonne impression. Et cela peut être vraiment douloureux et même anéantissant. Il est très difficile de voir que cette douleur est inhérente au processus d'extraction de ces programmations. Il y a des forces qui se liguent contre le changement et figent le statu quo. Il n'y a aucun moyen rationnel de les renverser. Tant que nous adhérons au vieux mythe racontant comment le changement se produit, c'est-à-dire force contre force, et la plus grande force gagne. Vous savez, celui qui tire le plus fort sur la corde finit par gagner. Celui qui a le plus de pouvoir, la plus grande armée, le plus d'argent, c'est lui qui gagne, et vous, vous perdez. Tant que vous adhérez à ce concept de force contre force, la situation sur Terre est totalement désespérée. Et du coup, la résignation a un sens, la paralysie a un sens. Parce que cela signifie, je ne vais plus essayer d'atteindre l'impossible comme je l'ai fait jusqu'ici. Je ne vais pas essayer de battre Mike Tyson à la boxe. Bon, je dévoile mon âge là. Je ne vais pas essayer de me battre contre un géant du catch. Il y a une autre voie. Et pour atteindre cette autre voie, il faut passer par ce qu'on appelle un burn-out, ce qu'on appelle la paralysie. Et peut-être même la dépression, le découragement, la résignation, comme on dit. Or, il existe quelque chose au-delà. Il y a une matrice de causalité qui ne fonctionne pas par la force et dans laquelle vous pouvez puiser lorsque vous êtes dans un état de dévotion et d'abandon.
c'est là que les miracles se produisent. Et pour vivre cette réalité avec la certitude d'être exactement où et quand vous devez être, l'impression que vous surfez sur des vagues de synchronicité, vous devez arrêter de contrôler les choses. Parce que quand vous essayez de contrôler la réalité, vous vous placez dans une réalité qui fonctionne par le contrôle. Et vous n'avez pas accès au pouvoir de la synchronicité, au pouvoir d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Le pouvoir de ces miracles spontanés. Ce bardo, cet état intermédiaire, fait de résignation et de paralysie, ni vous ni moi ne savons combien de temps cet état doit durer pour une personne donnée. Lorsque cet état aura évolué, la personne devient réceptive aux ingrédients dont on parle. Sa réceptivité attirera cet ingrédient vers elle. Cet ingrédient pourrait être vous. Qui venez avec le bon message et le bon exemple au bon moment. Et ça ne sera peut-être pas les mots que vous leur dites, mais peut-être qu'ils seront témoins de votre dévouement et que votre dévouement est si évident que même leur cynisme ne peut l'expliquer. Peut-être sont-ils témoins de votre générosité, de la générosité de quelqu'un qui ne cadre pas avec ce qu'ils pensaient être la réalité, qui ne cadre pas avec leur résignation, que dans ce monde, il n'y a que des gens merdiques, etc., et qu'il n'y a pas d'espoir. Cette intervention, ces autres ingrédients, pourraient prendre la forme d'une médecine psychédélique qui leur montre directement que des informations cruciales manquent à leur vision du monde faite de désespoir. Oui, il y a un autre ingrédient. Mais si quelqu'un m'écoute qui est dans cet état de désespoir, de cynisme, de paralysie et de résignation, cet ingrédient supplémentaire n'est pas quelque chose que vous devez accomplir. Cet ingrédient supplémentaire n'est pas un accomplissement. La seule chose que vous pouvez faire dans cet état, en ce moment, est de reconnaître que vous avez encore secrètement de l'espoir. Et de ressentir la vérité de ce que je dis en ce moment, à savoir que cet autre ingrédient viendra à vous. Et le simple fait d'accepter cette vérité met aussi un processus en marche. Et vous pouvez le sentir en ce moment même. Vous n'êtes pas seul ici. Ce territoire existe pour une raison. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Donc l'état dont nous avons parlé, de résignation, de désespoir, c'est une version concentrée et intense de l'état dans lequel la plupart des gens se trouvent la plupart du temps. Il y a une touche de résignation, il y a une touche de désespoir, et même s'il est parfois remplacé temporairement par de l'excitation ou une énergie addictive. C'est comme quand tout va bien, l'avenir est si radieux, il faut que je mette des lunettes de soleil. Allez, tout va bien, pour l'instant je suis au top, j'ai le vent en poupe. Mais sous la surface, il y a un désespoir qui est devenu normal dans cette société. Il y a un fondement philosophique à ce désespoir. Il est dû à la croyance que vous êtes un moi séparé dans un monde où tout est autre et où vous êtes un étranger. Ce confinement dans un petit ghetto de réalité est généralisé, presque universel dans la société moderne. Et certaines personnes, celles qui sont sensibles et à un certain stade de leur évolution, vont en faire l'expérience sous une forme intense.
non pas en tant que marginaux et exceptions à la règle, mais en tant qu'incarnation de la règle. C'est comme s'il canalisait un état d'être généralisé. Donc ce que je dis n'est pas spécifique à ceux qui sont dans une dépression intense. Pour en revenir à cette intervention, cet autre ingrédient dont nous parlions, qui pourrait être un élément psychédélique ou quelque chose qui vient de l'extérieur en réponse à notre réceptivité et à notre besoin, c'est une des clés. Elle vous montre qu'il y a quelque chose là-bas. Elle confirme l'espoir secret dont je parlais. Et elle vous met sur la voie. Cependant, il y a encore un autre ingrédient dont j'ai déjà parlé. Beaucoup de gens ont fait cette expérience, ont vécu une épiphanie. Ça y est, vous avez votre épiphanie. Et vous vous dites que ça change tout. Vous vous dites, il faut que je vive en phase avec ça. Il faut que je me souvienne, je ne dois pas oublier. Je ne peux pas oublier, il faut que je la retienne. Et vous finissez par réaliser que vous ne pouvez pas la retenir. Ce qui a été une expérience directe et manifeste devient une pratique, un principe, qui devient un souvenir et puis qui s'estompe. Et on se dit, est-ce que j'ai imaginé tout ça ? Peut-être que j'étais juste défoncé, peut-être que... qu'importe. Comme si ce n'était pas réel. Comment s'accrocher à une réalité qui contredit la réalité que tout le monde vous présente et qui vous tient ? Et pas seulement les gens, mais aussi le système économique. Comment dire ? Vous pourriez avoir une épiphanie concernant l'abondance. Mais notre système monétaire, notre système économique hurle à la pénurie à chaque instant de la journée. Vous allez manquer, il faut vous occuper de vos besoins, vous protéger, faire attention. Et ce n'est pas que l'argent, le système policier, le système carcéral, toutes ces règles et ces murs et ces défenses d'entrée. Regardez, toute la société est construite autour de la séparation, de la compétition, de la méfiance. Alors, comment retenir cette épiphanie ? Si vous avez traversé ce cycle, ce n'est pas parce que vous êtes trop faible et que vous n'avez pas fait de votre mieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer. Oui, essayez. C'est une expérience précieuse. Tout ce qui vient d'une connaissance avérée est précieux. C'est une bonne chose. Mais le troisième ingrédient est que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'autres personnes qui s'y tiennent avec nous, qui tiennent bon pour nous et avec nous, et pour qui nous tenons bon nous aussi. Voilà la communauté qu'il nous faut trouver. De nombreuses recherches montrent qu'appartenir à une communauté soulage la dépression, que les gens sont plus heureux lorsqu'ils ont des liens sociaux solides et qu'ils sont plus malheureux, plus malades lorsqu'ils sont coupés de tout lien humain. C'est toute l'ironie de la politique de santé actuelle qui conçoit la santé en nous coupant les uns des autres, qui nous isole, nous confine et nous met en quarantaine. Gardez vos distances. Ce n'est pas ce qui apporte la santé, mentale ou physique, à long terme. Le besoin profond d'appartenir à une communauté s'est intensifié l'année dernière, et encore maintenant. Mais ce n'est pas seulement d'une communauté animale, biologique, sociale dont nous avons besoin. C'est aussi d'une communauté spirituelle. Si nous voulons entrer dans un autre récit, une autre réalité, un autre soi. Le soi n'est pas séparé, nous sommes relations. Vous avez besoin d'être en relation avec d'autres personnes qui comprennent cela aussi. En réalité, l'essence de la communauté est la communication. Ainsi, le partage d'informations comme celle-ci est un fil nous reliant à la communauté. Ça ne remplace pas les embrassades et les conversations en tête à tête avec quelqu'un qu'on aime. Mais ça compte, ça en fait partie. Ça fait partie de la grande communauté. Ça fait partie de la façon dont nous nous soutenons les uns les autres. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Donc c'est bien de faire confiance à votre attirance pour les informations et les personnes qui confirment ce que vous savez au fond de vous. Par exemple, quand vous vous dites « ça sonne vrai », est-ce parce que ça confirme ce que vous croyez déjà? Est-ce que cela vous fait frissonner? Est-ce parfois même saisissant? Intimidant. Ça me rappelle l'époque où je jouais dans un groupe de musique et des moments où on savait instinctivement, sans avoir à chercher, que ça sonnait juste, que nous étions tous en harmonie. On ressentait la même chose, c'était plus grand que nous. Ça venait sans effort. Les Grateful Dead l'ont très bien dit, quand la musique s'empare des musiciens. Ça résume tout. Merci Charles. Oui, merci Ben.